Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan, Destiny 2 déjà disponible au Guatemala, le prêtre archonte qui porte des slips, bienvenue dans Destiny, rumeurs, infos ou intox. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va s'intéresser aux rumeurs qui existent concernant l'essence de Cropta. Vous savez, c'est cet élément que vous pouvez looter à la fin du raid difficile de Cropta et qui vous permet d'obtenir la nécrocasme, qui a reçu l'appellation dans nos contrées de gouffre nécrotique, et qui est donc l'arme exotique de ce premier DLC de Destiny. Et donc la rumeur qui circule sur cette essence de Cropta consiste à dire justement qu'il ne faudrait pas avoir fait le raid normal pour pouvoir looter cette essence et qu'il faudrait de surcroît porter le revêtement Glow ou le revêtement du raid de Cropta difficile. Et donc la team Mouton s'est chargée pour vous de vérifier tout ça. Shift a donc looté deux fois en livestream l'essence de Cropta en ayant fait le raid normal auparavant, vous étiez témoin, vous étiez présent. Et de son côté, Sei a looté sa première essence de Cropta en portant un autre revêtement que celui de Glow. On a donc la certitude qu'il s'agissait d'une intox et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les joueurs de Destiny qui vont pouvoir jouer tranquillement sans se poser de questions sur le fait qu'ils aient fait ou non le raid normal, sur le fait qu'ils aient ou non le revêtement. J'espère d'ailleurs que vous allez looter cette essence de Cropta si ce n'est pas déjà fait. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. N'hésitez pas à soumettre vos suggestions de rumeurs en commentaire et n'oubliez pas, Destiny c'est qu'un jeu vidéo.